Ouais. Ça va ou quoi la famille? Wesh, mais attendez, moi je suis pudique en live et tout, vous nous regardez, moi je suis. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me doucher, il y a quelqu'un qui me regarde. Des fois tu parles de sexe en live, mais juste on te regarde en train de live. Frère, je peux pas, je te jure, je peux pas. C'est comme la dernière fois quand on était chez moi, je dis à Idriss, je vais live et tout. Et il est taillé dans le salon, t'as vu où il est posé, et sur le canapé. Et je dis, je vais live. Il me dit, ouais, bah vas-y. Et genre, il bouge pas. Il me regarde, Idriss. J'avoue, fais, c'est vrai que c'est gênant. Je fais, ouais, je vais live là. Et je répète. Il dit, ouais, j'ai compris. Et il me regarde. C'est gênant, c'est vrai, un peu de chahma quand même. Je fais pas, frère. Bon, la famille. Un peu de chahma. La famille, c'est un live sponsorisé par Epic Games, donc merci à eux. On va découvrir Dead Island 2 en avant-première vu qu'il sort demain. Et voilà, on va se faire une petite session de jeu avec Inox qu'on va appeler là sur Discord. Je vais lancer le jeu, je vais appeler Inox. Attendez, j'espère. Yes, on va appeler Inox. C'est que Inox, frérot, faut que je parle d'un truc. Frérot, on a fait un tournage avec Michou, Inox et tout dans une école. Zarma, on repasse. Merde, putain, je suis en train de spoiler tout le concept. Mais toi, pardon. C'est grave. Non. Non, toi, c'est grave. Ma phrase, je voulais l'arrêter avant. J'ai fait une vidéo avec Inox, Michou, etc. Enfin, Inox, il est matrixé par les aliens. Il m'a fait une leçon de morale sur les aliens. Il m'a dit, si ça se trouve, un alien, c'est un trou. Il m'a dit, il nous observe. Il nous observe et dans quelques milliers d'années, ils essaient de communiquer avec nous et tout, mais on s'en rend pas compte. Il est matrixé de zinzin. Il faut qu'on lui casse les couilles sur ça pendant là. Il faut qu'on le fasse cracher le morceau. Comme quoi il est fou. Après, chacun peut croire, hein. Il y a des gens dans le chat aussi qui croient aux aliens, frère. Non, je veux bien. Mais lui, il a dit qu'en gros, c'était notre génération qui allait vraiment parler aux aliens. Et qu'ils sont là depuis des milliers d'années, ils ont jamais ouvert leur bouche. Et c'est maintenant qu'ils vont parler, là, très bientôt, là. Et il a dit, ouais, y en a un hors cheval. Ouais, Shinnok, ça va ou quoi? Ouais, mon bébé. Ouais, ça dit quoi? Ça va quoi, mon frérot, mon bzès, ça fait quoi, là? Ouais, ça dit quoi? Quoi, il a dit? Oh, vous êtes deux là. Ouais, je suis avec Camille là. Ah, attends, je monte le son. Ça va ou quoi, mes petits bzèzes là? Tes petits quoi? Pourquoi t'es excité comme ça? Vous êtes mes petits bzèzes. Vous êtes mes petites bzèzes. Mais ça veut dire quoi ou pas? Ben, petit bzèze, ça veut dire petit bébé. C'est bzèze en verlan. Les amis, Amine, Billy, vous allez bien ou pas? Ça va et toi, ouais, frérot? Ça va, hey, et toi? Ça va. Frérot, j'ai vu la lumière. Je suis vraiment d'accord avec toi pour les aliens. Merci. Merci. Non, parce que Billy, les gars, ils me croyaient pas que. Dans la planète actuelle, là, le monde est tellement grand qu'on est forcément pas tout seul. Et je disais à Billy, ça se trouve, ils nous observent. Ça se trouve, il y a des aliens, ils nous observent. Ils sont petits comme des fourmis, on les voit pas. On sait pas, les aliens, c'est pas comme dans les films. Mais, ouais, moi, tu sais, quand je me suis dit que les aliens existaient, quand c'est quand j'ai vu le crâne d'Idriss. Bon, on va sélectionner le personnage. Hey, tu sais quoi, moi, je prends Jacob. Vas-y, je prends Bruno, alors. Vas-y, okay, ah ouais, vas-y. La mif, en gros, on a 30 minutes de jeu en solo et après on peut activer le mode coop avec Inox pour jouer ensemble. Ah, donc faut jouer en solo avant. Eh les gars, ouais, j'ai 20 minutes, pris Bruno et j'ai là, pas là. Pris Bruno, okay. Eh les gars, vous m'entendez ou pas? J'ai l'impression que je parle tout seul là. Non frérot, ta vanne elle était exceptionnelle. Eh, merci. Eh, Bruno Mars. Bruno Twix, chante une musique de Bruno Mars. Si, c'est vrai, c'est un son. Jamais dans le son il dit MSN, Jean-Marie Le Pen ou je sais pas quoi. Là, il dit jamais ça dans le son. Attends, je dois faire quoi les gars? Attends, wesh! Attends, je dois faire quoi? Amine, dans un monde comme ça, tu serais la pire des raclures, je suis prêt à le jurer vraiment. Eh, putain! Moi je te mets un couteau dans le dos dans un monde comme ça. C'est une question de vie ou de mort, j'en ai rien à foutre. Oh, j'ai trouvé un kit de son. Survivants. Les gars, faut vous trouver un kit de son. Wesh, il se tape une bouteille de vodka! Wow, mais le jeu il est beau en vrai. Mais par contre, je suis choqué des cinématiques. Regarde, j'ai une question de fou. Imaginez, vous êtes dans un monde comme ça et vous êtes plus que 5. Et parmi les 5, vous êtes le seul mec. Et parmi les 5, il y a aussi votre daronne. Vous avez compris jusque-là ou pas? Je suis le seul mec, il y a ma daronne. Il y a le seul mec et ta daronne. Et toi là, t'es sur une situation où t'es sur le point de mourir. Soit toi, soit ta daronne. Si tu meurs, la population elle pourra plus jamais se développer vu que t'étais le seul mec. Ouais, mais si tu meurs pas, c'est ta daronne qui meurt. Tu choisis quoi? Bah non, moi je. Bah après, ma daronne elle a. Mais elle doit là... avoir 50 ans, donc ça veut dire moi j'en ai 20. C'est mieux que ça soit elle qui meurt, hein, je pense. Non? Moi je suis d'accord. Surtout que. C'est toi quoi? Faut qu'elle meure parce que ça se trouve, elle peut même plus faire d'enfants, ça se trouve. Bah si ça se trouve, j'en sais rien. Mais, ouais, de toute façon, t'allais pas truc avec ta daronne, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter là? Mais j'ai rien compris à ton dilemme. Non, mais t'es, c'est toi le seul mec! Wesh! Attendez, je monte le son, le chat. Ouah, cette arme, il est trop loin, avec. Putain. Oh, hey, moi, il me faut une calache, un truc comme ça, non?
Il y a décalage dans le jeu. Bah je crois. Mais oui, il y a des armes. En fait le jeu il est un peu en mode arcade je crois. Tu vois genre avec Eh les gars, on fait quoi, on se rejoint quand on a fini le solo? Ouais on se rejoint en coop. Putain, mais c'est t'as vu le symptôme des zombies, c'est quoi, si t'as bien remarqué? Ils ont tous une calvitie, je suis choqué. Ouais, c'est vrai. Regarde, y'a pas un zombie qui a pas une calvitie. Attends, on va prendre cette arme. Frérot, je pense qu'on est bientôt sur la fin. D'ailleurs, prouve que t'as pas de calvitie et enlève ton bonnet. T'es pas coiffé aujourd'hui. Eh toi, t'es pas un vrai frère, toi. Eh les gars, je poucave, Billy mange en cachette pendant le ramadan. Non, non. C'est pas moi. Je suis arrivé, il y avait des granits sur son bureau. Ah, il y avait des miettes et tout, c'est grave. Mais c'est pas moi, c'est un employé de la start-up qui a mangé. La start-up. Je sais pas comment on fait ça. Maintenez puis appuyez pour lancer votre arme. Ah ouais. Wesh. Mais la massue, elle a fait tomber la roue. Je pense qu'on est bientôt au mode coop là. Un peu disproportionné la réaction de la roue en fait. Sérieux, Billy, tu casses ton jeûne le dernier jour du ramadan? Mais non. Mais croyez pas cette ignare. Non, la famille, pas du tout. C'est juste que, en fait, comme il a beaucoup de famille au Canada, il le fait à l'heure du Canada. À Montréal. Tu sais, en plus, je parlais avec Yvick de Montréal. Il me disait que là-bas, je kifferais grave et tout, selon comment je suis. Et je crois que je vais partir là-bas, je vais l'écouter. Comme ça, sur un coup de tête. Mais par contre, c'est réel. Je te jure que c'est réel. C'est une vie de fou là-bas. J'ai de la famille, moi, là-bas. Mais arrête de mentir, toi à chaque fois tu dis ça, tu dis ouais je dois aller à Montréal, j'ai de la mif et tout. Je te jure que j'ai de la famille au Canada frère. Je te dis de montrer les... Wesh. Non. Déjà, dès le début. Donc là on est contaminé là. Ah mais le jeu il est violent en vrai. Non mais je sens que le jeu on va devoir le passer à chercher un remède. Je pense que ça va être ça non? Bah je sais pas si on est infecté. Ah si, c'est sûr. Wow. Putain, le chassé. Il vous a contaminé. Ah ouais. Non mais là, je pense que le jeu, on va devoir le passer à chercher un remède. Je te jure, c'est sûr, c'est ça. Mais c'est stylé si on est un peu en zombie. Ah, tu penses que c'est ça? Genre, on serait un peu en mode zombie? Attends, mais peut-être l'histoire de Jacob, c'est d'être un zombie, non? Ça veut dire on peut peut-être même pas faire de coop avec Inox. Tich-tich. Tich-tich. Non, mais alors, faut arrêter de partir en couille. Mais là, il me faut une arme, quand même. Mais... Mais, ouais, Zama, ça fait de l'anglaise avec des zombies. Mais. Attends, mais j'ai pas une arme là? Mais là, ah, c'est... si, j'ai une arme. Ouais, s'il te plaît, voilà, merci. Ah, parce ouais, que là, je... Cool, ouais, je... Serrure magnétique, je mais crois comment, que t'es plus long. Comment ça marche? Bah, faut trouver un mécanisme. Va sur le PC. Système informatique, le PC, non? Mais faut les l'utiliser, pas le casser, le PC. Est-ce que faudrait pas fouiller un zombie? C'était peut-être des gens qui habitaient ici de base. Ils ont peut-être un truc. C'est des anciens millionnaires qui habitaient là. Là, c'est ici, là, ok. Ah ouais, d'accord. Voilà. Eh, bute-le. Putain, on dirait Hitman. Merde, j'ai cassé l'arme. Oh, allez, fais ta meilleure anglaise. Ça me fume que ça droite des zombies. Non mais là, faut que je me trouve une autre arme, là, c'est pas possible. Trouver le moyen de traverser la résidence. Oh, oh sa mère. Mais je savais pas, il y avait des screamers dans ce jeu. Ouah, j'ai sursauté de fou. Vas-y, fonce. Non, mais je t'ai couru. Mes frères. Ah, c'est bon. C'est bon, avec le pied de biche. Avec la. Comment on appelle ça la canne de billard. La canne de billard. Putain, mais. C'est sûr, il y a des armes, il y a pas des trucs. Mais trousse de soin, trousse de soin. Je sais même pas comment l'activer. H, ça dit H. Ça, une H. Non. Appuie sur H. Ah. Ah oui, merci, c'est bon, c'est H. Ça a une hache. Allez vous mettre en sécurité chez Emma Jones. Ah bah c'était le code du portail, je crois que t'as ramassé. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Franchement, il y a une apocalypse, je suis dans cette villa. Je bouge jamais. Ouais mais après si t'as plus rien à graille. C'est vrai. T'es obligé de sortir à un moment donné. Wesh, il est avec la daronne. Mais je sais même pas sa daronne hein. Mais pourquoi ici? C'est vrai, pourquoi il nous tuerait pas? On va se transformer d'une minute à l'autre. Toi, t'aurais buté ou pas? Je me serais buté. Ouais, à leur place, t'aurais tiré ou pas? Un mec, tu vois, il est mordu. Ouais, franchement, ouais. Et balle dans la tête direct. Bah oui. Y a pas de risque à prendre, t'es malade ou quoi? Après, des fois, il y a des cas où les gens, ils sont contaminés, mais c'est eux les cas... je sais pas comment on appelle ça, les cas miracles. Non, ou sinon, au pire, je lui coupe le bras... Et je l'enferme dans une grange à clé. Il a pas le choix. Mais jamais de la vie, je le laisse vivre tous les jours.
This is not a fucking movie. Surtout que ça fait chier, frère. T'es là, t'es dans une bête de villa avec ta famille. Y a un mec qui vient en plus. Ça y est. Oh. Il a tiré. T'as entendu? Je crois qu'on a fini le jeu, frérot. Hein? Oh, on a la salle. Tu parlais d'Idriss tout à l'heure. Idriss, il est au Japon, ce fou. Ouais, il est parti comme ça. Je lui dis, ouais, j'étais avec qui? Il m'a dit, bah, je suis allé tout seul. Je lui dis, mais t'es cinglé. Frère, il est parti comme ça, sur un coup de tête. Il est fou. Mais il a l'air de s'éclater comme un gosse. Ouais, il est parti à la salle de Dipo, il a boxé avec des Japonais, il m'a dit. Jure? Ouais. Putain, comment il a dû les remplir. Non, il est claqué, Idriss. Ouais, mais comment il est. Comment il est stock aussi. Elle ressemble à, la, à l'amoureuse de Spider-Man dans Spider-Man. Oh, Kristen Durst. Kristen Durst, bah oui, d'accord. C'est pas ça. Je te jure, elle s'appelle comme ça l'actrice. C'est Mary Kristen Jane. Durst. C'est Mary Jane. Non, mais l'actrice s'appelle Kristen Durst. Les gars, dites, je vous jure, elle s'appelle pas Kristen Durst. Voilà, tu vois, Kristen Durst. Ah ouais. Et je suis trop fort en cinéma, je connais tous les films. C'est quand la dernière fois que t'es allé au cinéma pour voir quel film? Je suis allé voir Mario. Tu es allé le voir? Je suis pas allé le voir encore, non, pas encore. Frérot, Luigi à la fin. Non, mais non, tu vas pas me spoiler. Il se passe des trucs en plus. Ouais, il a une dinguerie, Luigi. Tu passes pas, je rigole. Mais le film, il est bien. Vous attendez pas à un scénario de fou, mais le film, il est bien. Après, tes avis cinéma, c'est pas trop ça, je pense. Frérot, j'ai un avis cinéma de fou, je suis trop fort. J'ai trop consommé de films. Frérot, tu me dis n'importe quel film, j'ai un avis dessus, je connais tous les films. Dis-moi un film. Interstellar. Interstellar, très bien. Très, très, très bon. Très bon film. Le haut du panier, 5 étoiles. Ouah, l'analyse hachée. Mais non, mais les gars, je vais pas faire une analyse profonde. Là, j'ai faim. Je vous dis juste que le film, il est incroyable, 5 étoiles. Je vais pas vous parler de tout le film pour faire un résumé. Je suis pas une critique cinéma. Je suis pas. Comment il s'appelle celui qui fait des trucs sur YouTube là? David Lafarge. Bah, sois plus précis dans ta demande. Il fait des trucs sur YouTube, David Lafarge. Non, Popcorn, il s'appelle. Un truc comme ça. Si c'est. Comment? Capitaine Popcorn. Ah ouais, si, c'est ça. C'est Capitaine Popcorn. Ah non, Durandal. Il y a Durandal aussi, c'est vrai. Et j'aime bien aussi les critiques de joueurs du grenier, moi. J'en ai regardé une, je crois. Attends, c'était sur quoi? Et Seb, ah, force. Bah, c'était sur Seigneur des Anneaux. Je crois. Bah, du quoi? C'était sur Seigneur des Anneaux, ils avaient fait une critique de 2 heures. Je regarde même pas Seigneur des Anneaux, mais j'avais regardé toute la critique. Frérot, tu sais que Seigneur des Anneaux, ça fait 2 mois que je regarde l'épisode 1. Je sais pas si t'as déjà fait ça sur une série. Je me confesse sur The Wire. Frérot, t'es trop bon gars. J'ai voulu faire The Wire. Je dépasse pas l'épisode 2, je m'endors à chaque fois. Je te jure, épisode 5, je suis jamais le plus loin, je te jure. Et ah je oui. Fais tout à chaque fois, genre je... Pourtant ça a l'air d'être une bête de série, mais j'ai mais du mal à... Ça a l'air incroyable, mais même moi, mais c'est même pas que j'aime pas, c'est juste que je m'endors, c'est pas de ma faute. Avi Murder. Ah, la série avec l'avocate, la Renoir là. J'ai regardé 4 saisons, je crois. Mais je me rappelle plus de rien, c'est un truc de fou. J'ai regardé genre 4 saisons. Comment tu peux regarder une série, tu te rappelles plus de rien? Mais en fait, il y a un meurtre et ils essaient de trouver le coupable, mais il se passe plus de trucs que prévu. Genre, mais j'ai un vague souvenir de la série, j'ai regardé 4 saisons, il y a même pas longtemps, il y a genre un an. Non, mais je serais d'accord si. Il y aurait une saison de 8 épisodes que tu te souviens plus. Mais t'as regardé 4 putains de saisons. Et tu te souviens plus de rien, mais t'es cinglé ou quoi? Wesh! Il a trop de flow! Ah, mais voilà, lui il a une arme. Là on rentre dans les choses sérieuses là. Ça on dirait qui? On dirait. Comment il s'appelle le rappeur? On dirait Gucci Mane. Ouais, j'allais dire Gucci Mane. Ah, t'es grave chaud. On dirait Gucci Mane de ouf. Et Leto vite fait aussi. Avec des lunettes. Non, là t'as juste voulu dire un Renoir là. Voilà. C'est vrai, avec des lunettes. Voilà. Mais pourquoi tout le monde s'invite chez eux là? Je comprends pas. Je kifferais un jour qu'on nous propose une collab dans un jeu vidéo. On est notre perso. Imagine t'es un skin Billy dans Fortnite. Ça, il y aurait que 4 achats, je pense. Mais. Ah oui, non, dans Pop Killer, on a notre perso. Putain, en plus, j'ai re-enregistré la photo récemment parce que je suis tombé dessus, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais. C'est grave la gueule que j'avais dans le jeu quand même. Non, il ressemble à Sterling. C'est qui? Un joueur de Chelsea. Moi, foot, je suis claqué, moi. Genre, tu connais même pas des trucs basiques du style, tu sais pas où il joue, je sais pas moi. Tu sais où il joue Rabiot? En Espagne. Ouais. Il joue à Granada. Avant, il joue à Levante. Oui, il est crampé aussi. Je te jure, ça existe, les ventes. Et tu sais que Hakimi, son premier club, c'est Mashimushkil. Non, ça, c'est quand t'as pas l'argent pour aller au grec. Là, ça... Non, mais l'intro, c'est plus une intro, là. C'est. Vas-y, fais une vanne. C'est plus une intro, c'est. Ouais. Frère, fais une vanne, j'ai commencé. C'est plus une intro, c'est les impôts. On nous demande des trucs. Il y a plein de trucs à faire.
Putain, pourquoi tu me mets dans la merde? Eh, hey, moi, nique sa grand-mère, ma nouvelle méta, je fais plus les vannes. Je commence et tu vas les finir, ça. Et tu vas les finir. Moi, ça demande trop d'énergie, tout ça. Y'a Martav dans le chat. Ouais. Eh, hey, Martav, force à toi. Il s'est fait tirer dessus, dans la chaise roulante. Jure. Ouais. Il est dans des histoires, lui. Frère, c'est un mec brossomme. Bah, ramène-le plus pour le Eleven All-Star, alors. T'sais, moi, je me suis trop mangé de sauce sur les quotas, tout ça. C'est-à-dire que je ramène un mec en chaise roulante, c'est ça. Ça dit pas, ouais, pourquoi vous ramenez pas des handicapés, etc. Ça dit, ouais, c'est grave, faut penser à eux aussi. Oh, appelez la cavalerie, c'est bon, on est dans la mission. Vous avez débloqué le jeu en coop. Bah, attends, faut que je vais appeler Inox. Putain, ça m'a quitté le jeu. Non, t'as quitté le jeu. Dis-moi que ça a sauvegardé, frère. Ah non, s'il vous plaît. Ah non, les gars. On va devoir refaire les vannes sur la boxe anglaise et tout. On va devoir refaire toutes les vannes. La blague sur les infos. Oh, la blague, on va devoir tout faire, frère. Ah non, on va pas refaire tout le script, là. La cam, elle a freeze. Wesh, en plus, j'ai une position bizarre. Oh. Putain, on dirait le même. Le même du mec Kamas. Tu vois, c'est quoi? Avec le chapeau. Mais non. Oh. Ouais, Inox. Allô. Ouais. Ouais. Eh, moi, les gars, je crois que j'ai activé le truc COP, là. Bah, nous, on l'a, on t'attendait. Bah, vas-y, bah, moi, c'est bon. T'as reçu? Ah, accepté. Attends, c'est bon, c'est bon. Je crois que j'arrive dans ta partie. Ah ouais, je te vois, attends. Putain, y'a... Mazuka. Mais vas-y, attends, toi. Je suis pas encore là. Attends, c'est où, Inox? Ah, c'est où? C'est toi, ça? Eh, donne une arme. Attends, mais... Ah, c'est toi, là? Ouais, c'est moi, c'est moi. Viens. Eh, hey, j'ai que les points. Eh, hey, pourquoi y'a la daronne à 1000 là? Voilà, ça commence. Wesh. Eh, hey, attends, mais... Attends, je t'aide. Vas-y, mais... Faut que tu ramasses des armes par terre, Mais où? Ah, dégage, toi. Viens, on se casse, viens, suis-moi. Pourquoi ton perso, il a déjà des habits fashion, là? T'as fait quoi? Mais ça, c'est mon perso à moi, ça. Attends, eh, hey, arrête-toi, mais je crois que c'est vraiment Lil Pump. Mais la vie d'homme. Mais c'est Lil Pump. C'est Lil Pump. C'est vraiment lui? Mais oui. C'est Lil Pump. Vas-y, venez. Faut trouver une carte, Billy. Faut trouver une carte. Vas-y, viens, on va la trouver. Là, explore un peu partout. Il y a des armes par terre. Il faut trouver une carte de Trouara, mais je sais pas où elle est. Ok, là, faut aller où maintenant? Il est en train de chiller, là. Il a rien. Attends, tu te fous de ma gueule? Il y a vraiment des zombies en train de bronzer, là. Regarde, elle est dans la piscine. Mais c'est grave, là. L'autre, là, à droite, tu prends Mojito. Attends, mais il dort. Fais gaffe, derrière toi, Billy, derrière toi. Wesh, quand tu l'as tapé, elle a contraint de quitter son cul. T'as vu, quand même? Je t'ai fait trop mal. On peut sauter ou pas? Ok, on peut sauter, tu peux sauter, viens. Tu t'es fait mal? Non, vas-y, viens. Si, c'est comment t'as crié? Mais comment trouver une carte dans toute cette grande maison? Billy, je crois que tu l'as. Tout le monde dit que tu l'as, apparemment. Mais non, ne me dis pas qu'il a la carte. Si, il l'a. Ne me dis pas qu'il a la carte, je vais péter un câble. Il l'a. Je vais ouvrir la porte. Fais gaffe. Carte du 3 rats, ouais, je l'ai. Il l'a. Mais il l'a, mais je vais l'enculer. Non, mais c'est trop. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Billy, je suis mort. T'es mort? Viens me réanimer. Ah, mais je suis comme dans Fortnite. Viens me réanimer. Tu t'es blessé, alors? Je suis tombé. Ok, bien vu. Tu sais qu'après, il y aura des hordes de zombies, frère. Je sais pas comment on va faire, là. Établissez le contact avec les autorités à l'hôtel. C'est quoi, ça? Shuriken. Quoi? Il y a des shurikens? Et en fait, il y a toutes les armes possibles. Il y a des... Mais oui. C'est comment on jette le shuriken, les gars? C'est quoi, la touche? Échappe. Oh. Wesh. Non, je voulais lancer mon arme. Tu l'as mis dans le cul. T'as lancé le shuriken? Non, pas le shuriken. Comment on lance le shuriken? Attends, Get, c'est quoi, la touche? Wesh, ça sort d'où, là? Mais c'est normal, sorti d'une trappe des égouts. Il sort des égouts. Eh, hey, bidon d'essence. Là, tu peux le prendre? Je vais les brûler d'essence. Eh. Hey. Tape les coups d'électricité. Ça va allumer le feu. Pourquoi il fait 1 sur 4? Ah ouais. Oh. Wesh. Ouais. Oh, le barbecue. Il y a des zombies militaires, Billy. Lui, il est costaud, faites bel égard. Charles, il est costaud de fou. C'est bon, il est mort. Putain. Comment ça, il m'a tué? T'es mort? Oh. J'arrive, je vais te réanimer. Oula, tu vas bientôt canner, là. Il va mourir. Allez, Billy, fume-les. Non. Non. Avec eux. Putain, j'étais presque, j'étais... J'ai juré, on est trop nul. Attends, ah, ça save. Non, j'ai une idée. Non, attends, j'ai une idée. Mets de l'essence partout avant qu'ils arrivent par terre. Comme ça, dès qu'ils arrivent, t'allumes le feu.
Non mais il a explosé. Ouais ouais ouais, prends les bidons. Il y en a d'autres, Billy, il y en a d'autres. Attends, c'en est pas des bidons. J'ai un bidon. Billy, j'ai un bidon. J'ai un bidon. Ok, vas-y. Ah, moi aussi. Ah mais c'est le mien. Attends, j'essaie d'en voir d'autres. Non, gaspille pas, gaspille pas. Garde pour là-bas là. C'est quoi ça? Attache. Attends. Tu l'as le bidon? Non, t'aurais pas dû le claquer là. Je vais rien faire. Mais hey, les zombies, les gars, ils font trop mal, c'est un truc de fou. Mais ça sert à quoi la batterie? il court ouais, sur les zombies, il en a rien à foutre. Tu mets des coups de batterie. Mais tu l'as one shot avec une batterie. Attends, j'ai activé un truc électrogène. Oh, stylé, là. Oh, comment je l'ai découpé. Ah là, c'était trop stylé là. Frérot, il y a une nouvelle méta, c'est que quand tu tapes, tu tournes en boucle tout le temps. Mec, ils font trop mal les zombies. Elle est trop forte cette méta. Non, c'est fini, t'es invincible. Oh là 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 là. Ouais. Putain, j'ai... Mais moi, je veux une arme à feu là. Ouais. Saute et fais E quand tu sautes. Wesh. T'as vu comment ça le démonte? Wesh. T'as Randy Orton. Je vais le faire en courant. Ça leur fait trop mal. Putain. Bidon d'eau. Non, y'a trop de zombies là, ça devient trop chaud. J'ai même plus de quoi me soigner là. Juste esquiller, tu rentres, tu les tapes pas. Eh, essaie de chercher un peu de quoi te heal et voilà. Non mais gros, c'est trop dur. Le chat, pourquoi c'est aussi dur là? Mais comment on fait pour trouver des Moi je vais vous dire pourquoi c'est dur, parce que je pense que ça loot pas assez, frère. Là, on devrait explorer ça. Ouais, bah oui, frère. Je pense qu'il y a plein de trucs à récupérer. Les armes, elles se cassent trop vite, faut en récupérer plein. J'ai des armes, c'est des. T'as l'arme électrique, non, t'as pas? Non, je l'ai. Bah ça sert à rien, il faut l'arme électrique. Elle a glissé là. Elle est dans l'hôtel. Wesh, elle a perdu son dentier. Mais non. Ok, lui ça dégage. Y'a quoi sur le tableau? Non. Et l'hôtel il sert à rien en fait. Non, le nombre de zombies ça a abusé. Ouais, non, je suis mort, mais ils sont trop. Ah, moi aussi. Moi aussi. Chercher des signes de vie dans l'hôtel. Je vais aller dans l'hôtel, je vais m'occuper de chercher des signes de vie. Non, mais frère, cette arme elle est. Oh. Mais t'as ça depuis tout à l'heure, sale bâtard. Ça, c'est le truc électrique? Non. Oh. Putain, j'ai eu peur. C'est bon, t'as une arme? C'est quoi ton arme de merde, frère? Putain, tu vas réveiller tout le quartier là. Vas-y, viens, on va à l'hôtel. Viens, on va à l'hôtel. Viens. Non, viens, on va dans le truc, ouais. Tuez-les tous. Non, faut qu'on les tue d'abord. Ouais, ils tombent du. Vas-y, défonce-les. Derrière. Wow. C'était quoi ça? Les gars? Comment ça a explosé? Ah, c'est c'est l'arme anti-incendie. Attends, mais. Attends, j'ai plus de vie, sa mère, j'ai plus de vie. Attends, mais l'eau ça les rend faibles. Ah ouais, l'eau ça les rend à ralenti, j'ai l'impression. Mais oui. Je vais mourir. C'est pas mon problème. Mal réanimé. Je suis pas mort. Hein. Ah, t'es pas mort toi? Non, je suis pas mort, Là, y'a un truc là. Tuez-les tous. C'est ta meilleure mais là, faut tous les tuer. Wesh. Ok, j'ai une strat. Je l'ai. Oh, oh. Anti-jeu. Oh, j'ai une strat de fou, Billy. Va derrière eux et tue-le. On est les pires clochards de la Terre. C'est quoi ça? Eh, c'est honteux. Non. Je vais mourir. Non, sors une arme. Oh, c'est quoi ça? Oh, caisse de secours. Oh, j'ai une hache. Oh. Non. Putain. T'es mort ou pas, Billy? Allez, vas-y, fume-les. Billy, ouais, fume-les, ouais. Fume-les, tu me réas. Faut que tu fumes celui-là, tu peux le réas. C'est bon, vas-y, réas-le. Oh oui, le GOAT. Incroyable. Eh, hey, je vois rien. Je vois rien. Et là, je suis en train de les atomiser. Eh, on a la meilleure strat. On les attire ici. Il y a une trousse de soins par terre. Le jeu, il est en train de nous aider là, le jeu. C'est bon, c'est refait une petite cavalerie. Santé là. On est dans Madero d'Academia ou quoi là? Bah quoi? Madora de quoi? Attends. Oui. C'est quoi là? Attends, c'est quoi la suite? Faut aller à la voie, les gars. Yannock, c'est par là-bas. Attends, ah ouais. T'as une nouvelle carte de compétence, mais là. Waouh! C'est quoi ce zombie? Wesh, y'a un genou de sprinter! Un zombie sprinter! T'arrives à aller, toi? T'es où? Holy fuck! Ok, t'es passé par là. Je suis à quand même un coup de hache. Pardon. Bizarre. Coup de hache dans le cul. Juste dans la piscine, lui. C'est un zombie, y'a pas de manière avec les zombies. Ouais, c'est vrai. Allez, dans la piscine. Ah, ça me tue! Ah, mais t'es un baiser d'être. Ah, mais c'est. C'est une piscine. C'est de l'acide. Ah, Téma, ils sont en train de canner dedans. Pompe, examiner. Pomper cette substance de la piscine. Bah, fais-le, toi, Inox, tu sais pomper. Attends, comment ça s'ouvre cette porte? Tabasse-la. Mais je te jure. Mais non. Les gars, un conseil, tombez pas dans l'eau, sinon on meurt, hein, je pense. Hein. Un conseil. Mourrez pas. Oubliez pas de respirer, s'il vous plaît. Ouais, finissez le jeu, un conseil. À 6 mètres. Tuez-les tous. Oh non, on est pas prêts. Derrière toi, Inox.
Oh enculé de merde. T'as eu, heureusement, je t'ai prévenu. Attends, y'a du feu, j'ai... Wesh. Ça attends, mais tu l'as allumé que pour un zombie. Attends, mais gros, là... Mais ça me fume, tu mets deux coups de hache et tu tapes une Jaguar de Red Bull. Ils sont 600, là. Ouais, je suis en train de la monter en l'air. Putain... Il m'a fait la même chose, le coiffeur, tout à l'heure. Faut les pousser dans la piscine, un conseil. Putain. Oh, il t'a sauvé. Je suis là. Bien joué, Billy. J'ai un râteau. Peut-être ah, c'est bon, ça s'est ouvert, bien. J'ai un râteau, je suis mort. Les zombies avec un c'était, crâne. C'était un mariage, place. J'avais même pas capté. Ah ouais. Ouais. Venez, viens, on rentre. Amine, viens, on rentre. Mais t'avais un katana, toi, au début. Ouais. Tu me le lui. Mets-lui de l'eau. Tu l'as. Il a pris une douche. Allez, hop, ça dégage. C'est quoi ça? Oh, c'est beau, là. Au troisième étage. Oh, y'a des gens, là. Mais c'est qui cette meuf qui parle à chaque fois? Mais je sais pas. Faut qu'on ouvre ça là, ça se trouve mais c'est dans ça c'est que dedans, des armes. Ouais, je pense c'est dedans, mais il faut le clé de casier. Tu me fumes à te battre avec des autres. Apparemment, tu sais que tu peux réparer tes armes. Ouais, ah on ouais peut réparer, mais. Waouh! Wesh! Wesh! C'est toi qui as fait ça? J'ai pas fait exprès. Oh, mais le souci du jeu, c'est quand tu m'échappes, ça met pas start, tu te fais quand même tabasser. Oui, c'est vrai. Attends, je vais aller me cacher un peu. Ah, genre là, t'es caché. Il a cru, il était caché. Laissez mis contre le vieux. Là, les clés, bah, les clés. J'ai les clés, clés du coffre-fort. Oh, clés du viens pas voir. Ah non, clés du coffre-fort, c'est pas les clés de casier. Au rez-de-chaussée, au comptoir, apparemment, dans l'hôtel. Ah oui, si c'est là. Clés quoi du coffre-fort. Et t'as... Oh t'as... il a gagné une dague. Une dague. Non, il a une dague. Une dague. Ah, moi aussi j'ai une dague. Une dague. Non, moi quand j'entends dague... Waouh, elle enlève de la vie de fou. Quand j'entends dague, ça me rappelle les SRAM. Mais c'est nul la dague, non? Parle pas mal de la dague. La dague. La dague. La dague. Eh hey, les gars, j'ai ma dague en 1. Personne à la ref. Personne à la ref, mais moi et Billy on l'a. Wesh. Putain, y'a Brand. Faut ramener une bombe à eau. Ah ouais, c'est bon, y'en a une là-bas. Non, un conteneur. C'est pas donc. Ah, pas mieux. Oh. Attends, mais quand elle dit tu as tué mes hommes, elle parle des zombies. Sa mère. Eh, les gars, je crois que la meuf qui parle, c'est la boss zombie. Est-ce que si tu vises la tête, ça fait des dégâts? Là, il sort sa sieste, lui. Wow. Bah ouais, il lui a coupé la tête. C'est en haut, faut qu'on aille en haut, je crois. Mais non. C'est en haut. C'est en gros. Oh putain, il y a plein de trucs. Non, il a... Comment on coupe l'eau? Mais là, tu t'es fait électrifier, ton réflexe, c'est t'as bu un Red Bull. Oh. Argent. Oh, il y a une salle de fou, là. Wow, il y a une planque de fou. Oh, vas-y, vite tout ça. Oh là 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 là. Inhabituel, mais... inventaire plein. Attends, pièce métallique, on peut se faire une arme avec, non? Eh, hey, c'est un établi! Tu peux réparer les armes, tu peux améliorer tes trucs! Jure! Tu ferais ouais ça direct. Vas-y, Nox, c'est à la porte à droite. Go. Oui, il a cru qu'il allait passer en dessous. C'est ça ou pas? Attends, Billy l'a trouvé! T'as trouvé, Billy? Ouais, viens, il y a un ascenseur. Et la en fait, chambre 307. Faut grimper l'ascenseur. Attends, Billy, je suis tout la seul. Tête, là. La tête. Oh ah ouais, lui en oh fait. Oh la dinguerie! Non mais sur lui il a des explosifs le soldat. Attends les gars, je suis paumé là. C'est... Vas-y, viens, suis Nox. Faut qu'on aille à la chambre 307. Eh hey, Billy, est-ce que t'as encore ta dague? Je crois bien que j'ai ma dague. Wesh. Putain. Dégage toi. Qui est en train de se faire torturer là? On est dans la chambre? Non, l'arme avec l'électricité elle est trop dopée frère. Ah, ouais, elle est dopée. Wouah! Lui il faut. Oh. Ok, on a la reçoit. Oh, ça va passer une bonne voiture. Mec, je sens que ça va être la merde. Mettez faut que tu restes, faut que tu restes collé. Oh, je sens qu'il va se passer un truc là. Il va se passer une dinguerie. Ouais, je vois soit plein de zombies, soit un boss. Moi je dis. Tu penses à des boss dans le jeu? C'est sûr. Ouais, va y avoir un boss zombie là. C'est sûr. Ce sera incroyable. Spammez tous boss dans le chat. Ça va rien changer au jeu, je pense. Écoutez. La Mif, merci beaucoup pour votre force sur le live. Et sachez que. Salut! Y'a Eloy! Wesh! Elle est sous stéroïde de fou!
Putain. Waouh. Ouais, je fais. Vas-y, vas-y, je l'attire, je l'attire. Il y a la musique de Scooby-Doo en fond. Wesh, attends, wesh. Elle a fait un taxéisme. Je lui mets des coups critiques. Elle a le corps à Idriss. Mais sa vie, elle baisse pas. Faut sauter. Oh, t'es chaud. Si ça, elle est mid-life. Elle est mid-life. Vas-y, défonce-la. Je saute dessus. T'as raté. Mais t'as plus d'armes. Elle est low. Continue. Tsunami. Elle saute plusieurs fois. Putain. C'est bon, on est en train de l'achever. Voilà. Non, tsunami. Oh. Wesh, elle enchaîne plusieurs fois. Comment tu t'es envolé, Inox? C'est bon, je la tue. C'est bon. Let's go. Elle avait quoi sur elle? Elle est puée la merde. Fou. Attends, j'ai débloqué une compétence. Palmarès, je tape quand je saute. Wesh, les gars. Quoi? Je peux le téléporter? Oh. Et Billy, il a récupéré le son spell, onde de choc. Ouais. Billy, Théma, regarde. Vas-y. Non, c'est grave. T'as le déplacement instantané. C'est incroyable. Fais tsunami, Billy. Yahoo. Attends, je vais sauter avant. Je trouve ça trop stylé que vous ayez eu deux spells différents. Ouais, c'est trop bien. Ouais, j'aurais kiffé avoir l'ATP par contre. Ouais, l'ATP elle est incroyable. Par contre, l'ATP c'est vraiment cheaté. Si t'es dans la merde, tu peux te casser. Incroyable. Après, toi, si t'es entouré de gens, c'est cheaté aussi. Vas-y. Vous en pensez quoi ça du jeu dans le chat? Moi j'ai juré il est bien. Moi j'ai kiffé le boss là, c'était drôle. J'ai juré il est bien. Non mais même les zombies et tout. Et le jeu il est beau. Je pense le jeu si tu le fais en coop avec 4 potes. Avec tes potes, j'ai juré que incroyable. Tu t'éclates. Vas-y mon petit Billy. Bah bisous alors, merci d'avoir été là. Vas-y, bisous Inox. Vas-y mon frérot. Vas-y, bisous, ciao. Bisous la famille, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez kiffé. Bisous, merci beaucoup. Ciao.